Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Thomas Thévenoud, qui fait un petit peu le tour des médias en ce moment en France. C'est le meilleur contribuable français. Alors pour faire court, mon petit Thomas, on va te présenter. Hein, c'est le genre de type qui touche entre 20 et 30 000 euros par mois en France, et sans ta femme. Sans ta femme. Et en plus de ça, tu payes pas tes impôts pendant 3 ans. 3 ans. Le pire dans tout ça, mon gars, c'est que tu nous dis à nous, vous, les Français, vous devez payer vos impôts. Alors là, mon gars, j'ai envie de te dire... Fuck you ! En plus de tout ça, le petit Thomas, il en a ras la casquette qu'on lui parle de cette histoire. Arrêtez-vous maintenant avec mon histoire d'impôts. J'en prends plein la gueule, moi, hein, j'en ai marre. Le premier journaliste qui me refait un article, je lui envoie mon avocat. Mon petit Thomas, le dernier qui reviendra aller en France, c'est toi. D'accord ? Quand je vois qu'il y a des pauvres smicards qui touchent 1200 euros, ils payent 200 euros de plus par mois, 100 euros pour la bagnole et 700 euros de loyer. Oh, de loyer ! Ils payent le loyer, j'avais oublié. Putain, tu le payes pas depuis 3 ans, toi non plus. Non mais vous imaginez, il paye pas ses impôts et son loyer depuis 3 ans. Vous imaginez aussi la connerie qu'il a pu sortir devant le juge, bordel de merde. Le verdict est tombé ! Thomas Thévenoud, vous êtes coupable ! Tiens Thomas, j'ai niqué ma table à cause de toi ! Pitié, monsieur le juge, pitié ! Je suis administratophobe ! Thomas Thévenoud est soi-disant atteint de phobie administrative. Administratophobe, mais vous imaginez la gueule du juge ? Administratophobe ? Appelez-moi Bernard Pivot, s'il vous plaît. Alors, administratophobe, hein, c'est un terme qui nous vient du latin administratus phobius, celui ou celle qui a peur de l'administration, voire aussi administratophobie. Alors, si on se réfère à administratophobie, administratophobie, maladie très rare, un seul cas recensé dans le monde, en France. L'identité de l'individu reste secrète, les grandes organisations veulent éviter toute épidémie. Sans déconner quoi, le type il paye pas ses impôts, son loyer, il invente une maladie, il passe pour un tocard devant tout le monde. Mais c'est n'importe quoi un mec comme ça. Allez hop, ça dégage. Franchement, ce qui me fait le plus chier dans tout ça, Thomas, c'est que tu fais chialer mon chien avec tes conneries. Nous on paye nos impôts, nos impôts. Petit Toto, petit Toto, petit Toto. Retrouvez-moi dans Jérém dit toute la vérité, rien que la vérité. La vérité, Serge.